DJ Stéphane Congo, Bala Mwangi Congo ya Lumumba Congo La Fachi Beton Tangwe Koki yo 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 Tangwango yango yo ye koki Tolanda Kango Papa Stéphane Bala Mwangi Oye Monsieur Dame, bonjour. J'ai l'impression que nous vivons dans un pays où il y a tout le monde a échoué. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas. Oui, dans le monde, il y a tout le monde qui a échoué. Comment expliquer que tu as eu un peu de Congo? Mais tu as eu un peu de temps pour que tu ne sois pas après. Il y a un peu de temps pour Congo. Tu as eu un peu de temps pour à larguer loco. Ah, tu l'as dit, tu l'as dit, tu as dit rapport. Bah, tu es belé, bah, ça n'a qu'à dans mon goût. Tout le monde a dit, tu as dit, tu as dit, tu traître. Bespion, ben filtré. N'a pas tout, bah, incompétent. Tu es baké, bah, n'a vraiment pas ça, traître. Bah, n'a pas ça, bah, ça pour le Congo. Cédric, bonjour. Bonjour, Stéphane. Cédric Moudiantou, Azali Moko, il y a un communicateur, il y a chef de l'État, pour bien dire. Aza quand même, il y a Kalana combat pour Nabola Mouna Congo. Combat, il y a Kimiana Congo, combat, il y a bonheur, ba Congolais. Expliquez-nous un peu aujourd'hui. Raymond Tshibanda, à l'obi, ou Tabango Bakenda, diplomatie et Koufa na Congo. Diplomatie sans stratégie, diplomatie où ils ont un comme à Longana Katite. On a Raymond Tshibanda. Mais entre temps, on oublie que le président a une diplomatie agissante. A tort, toi, a raison. Au juste, tout le monde sait Raymond Tshibanda a coupé sa stratégie à diplomatie à Makasi. Ou c'est comment? Merci beaucoup Stéphane pour une opportunité de plus na lingé mission oyo na dédié yango d'abord na madame Nangai, ma femme, ma reine Christelle Dipessa et na souhaité joyeux anniversaire. Na lingi bougi oyo azo soufflé mbalo oyo ezala un grand bonheur pour elle, pour sa famille, pour ses enfants, sublime et opulence, surtout aussi pour son mari, son cher époux. Na zo dédié yango pe na moko ya balandi na yo munene oyo a tchaka mayele na epe mingi na politique. C'est une dame, nous avons des dames très intelligentes dans ce pays. Na pe si yembo te pe na dédié numéro oyo madame Maryse Moulangou. OK. Ouais, elle est trop accrochée aux analyses politiques, une tête très pensante. Na lingi beaucoup plus na pe sa pe mbote na ba oyo ba mesani kolanda biso na plateau oyo pe makanisi oto kabolaka na bango. Raymond Tshibanda a sali déclaration naïe, c'est vrai, il ne pouvait que dire ça parce que il appartient à un camp politique. Camp politique naïe, ils ont se retrouvé malheureusement les lots, na kan otoko bengaba, aigri par le fait d'abord que balongwe na pouvoir na volonté na bangote. Moni attend imboa, tant ozo boto la estek na monoko, et la bagarre, oyo okeko signé. Alors, après échec na bango, il y a qu'on se maintenir na pouvoir, c'est-à-dire victoire ya peuple congolais, et ça les kelelo ba se retrouver na camp, ya ba aigri, et c'est déjà ça le premier problème où yo ezo bebisa analyse, puisque un aigri ne peut pas faire une analyse objective par le simple fait que aza corrompu na makanisi na ye yemoko. Il peut là où c'est blanc, lui il voit noir. Même si sa conscience lui dit que c'est blanc, à Koloba blancheur ou anaté par le fait qu'il y a ça aigri. Alors, on n'a pas autre chose à voir à propos. Il y a Raymond Tshibanda, Tungamulongo. Je me pose la question d'ailleurs, l'intellectuel congolais finalement, il représente quoi et il apporte quoi à son pays? Devons-nous aujourd'hui compter sur les intellectuels? Je doute par le fait qu'hier, lorsque nous en avions moins, on avait un Congo avancé. Aujourd'hui que nous en avons plus, malheureusement, bah, espèce, y a bah, Raymond Tshibanda, le Congo est ce qu'il est. Mais pour lui répondre, diplomatie na bango, pragmatique, ou les alaki makasi efficace, même agissante, qui a fait le Tshisekedi.
apport nango à terme de productivité ezala kinini. D'abord puisque un pays qui est consacré comme une zone tampon en termes yaba intérêts internationaux yaba grande puissance. Un jour on va faire une émission au Kotoko Lobela juste position géostratégique à RDC et puis bah intérêt ndenge ezala défini depuis Berlin na tango ba kabolaki mboka na biso to même encore Afrique. Et là que nous allons dire l'origine de nos problèmes tina lelo toza awa. Maintenant, na contexte wana par rapport à la position de la RDC, position géostratégique au regard de notre dotation en termes de ressources oyo ezo sala kito za la oyo Franck Fanon Lobaki gâchette ya développement ya Afrique na l'essence que Afrique est en forme ya revolver bango na diplomatie na bango ba apporter biso nini sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan sécuritaire. C'est la grande question à laquelle lui n'a pas répondu, mais tout ce que nous reconnaissons et ce que l'historien aura écrit de leur diplomatie, c'est qu'ils ont même vendu le pays, ils ont concédé au Rwanda d'avoir 43% na katia armée na biso, 43% ya ba Rwandais na katia armée na biso pays indépendant. Justement, pour répondre aux velléités, il y a Rwanda qui est parrain, il y a Oyo Bango, babande ko porter. C'est ça l'intelligence que il appelle diplomatie agissante. Le contraire n'angoza, la diplomatie que nous avons qui va jusqu'à résoudre les problèmes créés par eux. Les problèmes créés par eux, c'est quoi? Ils nous ont apporté la guerre. Nous avons l'héritage de leur diplomatie ou même encore de leur régime. C'est la guerre au Tozo Lité Nango Lelo. Mais au Bango Batikela Kibiso, en même temps, Batikela Kibiso Yango, on avait les mains liées à travers un embargo au Bango Bakoka Kodenouete. Mais que cette diplomatie qu'il est en train de minimiser aujourd'hui a su dénouer et obtenir la main levée de la communauté internationale. Lui, il a été ministre des Affaires étrangères, mais il s'est contredit avec un autre qui est aussi de sa famille politique, Cheo Kitundu, qui par ailleurs lui a applaudi, a acclamé la gouvernance de Félix Tshisekedi et sa diplomatie. Et comme il guerre na Bango. Mais dans tout ça, l'arbitre, c'est le peuple congolais qui sait voir. Nous étions où ? Avec eux, avec leur diplomatie agissante qui avait mis le pays en cloisonnement. Kabila a tiki mboka oyo, presque en autarcie, puisqu'il y a une très mauvaise relation avec d'autres pays. D'ailleurs, rupture enclenchée par lui-même avec les Nations Unies, maison Schengen n'est pas fermée. Ah ouais. Lui qui était là comme l'un des piliers, l'un des caciques, il y a diplomatie na Bango. Bazui combien de sanctions à titre de mauvaise gouvernance Nabango, à titre de dictature Nabango, avec sa diplomatie efficace, pragmatique et agissante. Je pense que les propos de Raymond Tshibanda Tunga Mulongo ne représentent absolument rien, mais beaucoup plus et sa aigritude Oyo a exprimé qui y a quand politique naïe. Très bien. Très bien. On a point le besoin. Ah d'accord. Tout ça à niveau, on a point mi balé. Tout le monde Ramazan et Shadar et Lobby, naïe. Qui le sont ce que y a la moussi M23 na Congo et Zali Félix Tshisekedi pour la cause la caca ba stratégie wana. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Bazan a raison. Bazan a raison que Félix Tshisekedi mouta la moussi M23. Mais Bazan guinde si ko sincérité à Kolobake Félix Tshisekedi a la moussi M23 au biso to kriaki. Le problème c'est ça. Félix Tshisekedi à la moussi M23 au Bango Bakriaki. Mais à la moussi Angondengeni, ni sait pas bien la moussi c'est qu'il koufaki. Comment M23 est koufaki? Bango Bakeli est koufui et puis Félix Tshisekedi à la moussi. C'est ça l'explication qu'il faille donner. Joseph Kabila, avec ses pères, que nous savons aujourd'hui, qu'on ne peut plus masquer puisque déjà, avec le secret. Ou le moko katina bango ya FC à Kangemi, a tangi Joseph Kabila, alors que nous savions depuis bien avant les implications de Joseph Kabila dans l'émergence, il y a insécurité dans l'Est. La création, notamment, acte il y a 23 mars. Et donc, aujourd'hui, apprendre de ce genre que Félix a dit à ressurgir M23, en effet,
à ressurgir Yango par son opacité, à continuer à traiter avec ceux-là de la manière que Bango va traiter na Bango comme ba créateur Nango. Joseph Kabila a créé et juste pour duper la population à un moment donné, il a fait semblant ya ko sala na Bango ba concession. Ya ko pesa Bango o Bango ba lingaki de manière à ce que ba obtenir paix de façade. Oyo to obtenaki avec avec Joseph Kabila alors que nous savions que c'était des concessions qui étaient faites en fait des compromissions et ils avaient effectivement la forte croyance que Tshisekedi Félix allait continuer avec la même chose. Ça veut dire continuer pour ça la compromission au Kabila Salaki. La résurgence, c'est maintenant le fait que le M23 baza surpris qu'avec Félix Tshisekedi, il ne veut rien savoir de leur existence. Et donc, ne voulant rien savoir de leur existence, il veut maintenant imposer le veto de notre souveraineté. On n'a rien à négocier avec vous. La seule porte qu'on vous laisse, sortez. Et c'est ça la résurgence. Ils n'ont pas menti. Tant que Félix Tshisekedi a la moussi, effectivement, oui. A la moussi, yango po a boi ko traité na bango, alors que bango nde ba kreya ki yango. Ils n'ont pas menti, c'est la vérité. Nde kozanga stratégie malonga yango. Nde kozanga stratégie. Nde kozanga stratégie. Puisque madame Olive Lemba dit son mari a fixé le camoyem 23 ans na stylo. Oui, mais na stylo, c'est à travers les concessions qu'ils ont faites. Tout bakunda ba toa. Ba rwande nyonso o kabila présenté à biso awa. Moko même sous Kangi bango na CP toke ba ba Rwanda, comment est-ce qu'ils étaient devenus des Congolais? C'était clair que Kabila était en train, on sait même pas si lui-même aussi était rwandais, mais il a fait des concessions aux Rwandais, les lots où Kabila être cité dans M23, madame Olive Lembe par la sagesse qu'elle devait avoir ou qu'elle est supposée avoir comme femme, qu'elle nous dise maintenant lorsqu'on est en train d'accuser son mari par quelqu'un de moko kati na bango atangi mobali na ye. Alors il y a si bon na sagesse na ye. Elle qui défend son mari. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire encore par rapport à ça? Nde makambo ebe mwimboka. Bisika wana ozolo bela wana makambo e komi ndongo. Batangi ba lubaya. Batangi ba... Olingankoy, non, quand même, Olingankoy, c'est un vrai patriote. Batangi ba... Ba Kabila. Est-ce que le service de l'État n'a pas été instrumentalisé pour faire un coup à Kabila ou aux gens qui sont indésirables? Bon. À Kabila, déjà, c'est pas un coup. Les services et renseignements n'ont surpris personne. En citant Kabila, d'ailleurs, les services de renseignement n'ont pas cité Kabila. Ah. Bon, Moutouana, à l'oubliant, dans ton service de renseignement. Les services de renseignement n'ont pas cité Kabila. Ah, le service de renseignement n'ont pas cité Kabila. Non. Et qui l'a cité? Mouto, à Kangami, on approche, à Nangande, a cité pour partenaire Nabango. Les services de renseignement n'ont cité personne. À une des témoignages, il y a mon corps entre Bakabila. C'est cela. Donc, il faut déjà qu'on crée une différence. Personne n'a été cité par les services de renseignement. Personne n'a été non plus instrumentalisé par les services de renseignement. Heureusement quand même que nous avons la preuve aujourd'hui à travers ces messieurs que Joseph Kabila... Et j'ai dit nous avons la preuve puisque nous savions déjà que c'était ça. Et effectivement impliqué dans M23. Mais lorsqu'on dit... mettre à l'écart les indésirables dans ce pays, honnêtement, qui représente sur le plan politique ou même encore d'ancrage, d'envergure politique ou populaire, Olengankoy. Attention. Et non, mais qui parle encore de lui? Qui connaît encore Olengankoy? Fonus Olengankoy. Chico, Olengankoy, baye biété. Moutabeta Alisolo naye azate. Aza ni important ni inutile. Aza n'est pas congolais lambda. Aza ni important ni inutile. Ni inutile. Mais important puisqu'il apporte quoi dans la classe politique? Dans la vie de la nation, Olengankoy apporte quoi? Non, honnêtement, c'est Sensa. Sensa, d'accord. Toujours parce qu'on a accord à Saint-Sylvestre. Est-ce que Sensa faut exister? Est-ce que lui-même, il n'a pas honte de quitter le matin chez lui à Sokolima à Pio, à Lativeste, à Kemoussal, Moussa Niagina? Il est payé par les contribuables Mongo. C'est du vol, ça. Est-ce que cette institution peut encore exister? Alors, Olengankoy, qui n'est ni inutile, ni utile, il est seulement congolais. Qui n'apporte rien à l'évolution, à la vie de la nation, on va l'écarter. Pourquoi? Puisqu'il représente quel danger? Donc ça veut dire citer, en tout cas en termes d'analyse, citer Olengankoy, déjà, pour Nanga, il a à plus de 70% vrai. À plus de 70% vrai. Pour avoir représenté dans GT, Moutoupa Betaliso, Naepe, Azate. Sauf que c'est un individu qui se recherche. Maintenant, comment se rechercher? Tout Betaka CT. Le problème qui. Le cardinal Mbongo a parlé de la frustration. Personne ne veut avoir des Congolais frustrés.
les lobes ont frustré Batou pour quelle finalité? Mais le problème, c'est quoi? On l'avait dit tout au début à mandat Félix Tshisekedi, ils ont mandat garage. Ils ont mandat à rupture. Tshisekedi a couti Batou, basala politique, bamboula na bamboula, par leur propre force et imposition, ou même encore appartenance à un régime dictatorial, et non plus par le fait d'être porté par la population. Maintenant, Tshisekedi, quand il arrive, batata wana nyonso. Bahota la tsuko que non, exercice auto passé maintenant, ils ont vrai exercice auto zala jamais soumis na yango. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh bango bobe nga frustration wana. Puisque d'un côté, il y a l'envie de se maintenir, de l'autre, il y a l'obligation de passer par la volonté populaire, il se voit obligé de se maintenir en se faisant frustrer et en ralliant l'ennemi. Parce qu'ils se disent, en ralliant l'ennemi, il y a deux hypothèses. Soit nous réussissons à renverser le régime, soit nous imposons celui-ci, ça veut dire le régime, à négocier avec nous, ainsi nous allons toujours nous maintenir à travers ma conciliabule. C'est ce qui consacre ma frustration à Bango, au papa à Bango, à autorité morale, à frustration, cardinal Mbongo, à côté Libango. N'est-ce pas? C'est ça le problème. Mais être cité, Joseph Kabila, n'a pas été une surprise, puisque tout le monde sait que Joseph Kabila est le géniteur des M23. C'est lui qui a instrumentalisé cette... Il a monté. C'est lui qui est derrière cette organisation depuis qu'au Bandanango, Kino Lelo, yango ba concession, na ba compromission, à Salina Bango, Olebaobengango Kimia, par quelques dupes, par sa précieuse épouse, bien sûr, mais par parole, il y a maman Olive Lelo, ils ont représenté leur auteur, puisque ça représente les paroles d'une femme corrompue qui défend la cause de son mari. Ça ne représente absolument rien face à une population éclairée. Claudel Lubaya, il représente quoi? Dans l'opinion. Qu'est-ce que Claudel Lubaya représente? Si ce n'est... C'était un président d'un parti politique. Le problème, c'est celui-là. Idea. Yango Monique, Makambouyaba parti politique Oyo. Il faut, Mama Toulou Kandenga Yeboueba, le mécanisme y a pour changer le système au Mbango rapidement. Puisque maintenant, les gens sont en train... Le fait d'avoir un parti politique, ils se considèrent des super-hommes. Le quoi dans un parti politique et personne n'a immunité. Donc immunité, donc combien d'immunité n'a pas parlementaire, n'a pas président parti politique. Puisque je suis politique, j'ai les immunités, je peux tout faire, je suis congolais spécial. Si on ne me prend pas au sérieux, je deviens frustré, je peux faire ce que je pense. Non, ce n'est pas ça. La démocratisation consacrée par le multipartisme est en mois d'avril 1990. Ça veut dire le 24 août, au fêté 34 ans à Yango, n'a entendement à ma père fondateur, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire que les partis politiques nous ont fait reculer plus loin que le monopartisme de Mobutu. Alors, il y a nécessité de révolutionner les choses, d'échanger, c'est quoi nous parlons de la création ou de l'émergence d'une nouvelle génération politique qui vienne mettre fin à l'appréhension et à la politique au Batata ou Melibiso, se faisant passer pour des hommes spéciaux. Claudel Lubaya, il ne représente absolument rien en termes d'ancrage politique, d'envergure politique, d'ancrage populaire. Il en est de même de toute la suite des gens qu'on a cités, d'ailleurs, par patience Saïba. Franchement, hein? Des gens honnêtement qui yemoko aza supposé ayebaki aza na yelokoté par le fait d'avoir été DG na au Jeffrem, ça ne fait pas de lui, je sais pas moi qui, non, tous ces gens ont un homme derrière qui les instrumentalise. Yangwana batwana nyonso tamba otanga ba olenga nkoyi tamba otanga oya kendaki ya Jean-Jacques Mamba et consorts, c'est des gens sous-traités par Joseph Kabila pour atteindre un but. Alors nakati ya création ya mouvement na bango AFC, puisqu'il fallait donner à celui-ci le sens d'une organisation politico-militaire, il fallait recruter quelques politiciens. Et puis, John Numbi, à sa démarche de Joseph Kabila, il y a une organisation militaire, pour essayer de mener des marches avec l'AFDL. Mais c'est quoi la différence? Oui, c'est quoi? L'AFDL n'a pas gagné. Et peut-être que l'AFDL a été tellement puissante qu'elle a renversé le régime, elle a évincé le régime Mobutu, ou a été phase, non. L'AFDL a eu juste l'adhésion populaire, la facilitation de la population des salaires qui FDL à Kota. À la différence maintenant, Bango ba sa facilitation, il y a nani. Parce que FDL, avec la facilitation de la population, l'armée est allée derrière la population. Babo Yukobunda, c'est ce qui a fait que FDL à Kota sans problème, Mundu qui est bêta mité, régime Mobutu Koui. Mais maintenant, que l'armée est déterminée à protéger les intérêts du pays, à protéger la République, à se conformer à la volonté du peuple qui est derrière les institutions. Baoli Kilawapi.
Au moins, tu leur calcul. Bah, au bango nyo so, moko a kangami ala yebete kangama. Bango tout ba osamba. Na on linga siko ne sami boye. Pour montrer à ces autres là, non seulement au latikali kuna, mais au na nous te découvrir. T'es pas basé belé. Na ba au ba aux intentions au kende. Oyo wana ba kangi ba auditionné wana. Soyin kuba, soyin kuba. Et vous allez malamu mingi ke. Pandezon na ye esalama en direct ya RTNT. Oh là, oh là, oh là. Je dis. Non. Et vous allez malamu mingi pandezon na ye esalama en direct à RTNT. Oh, ça sera papa, une très bonne leçon papa, que papa. Nous avons pris la vitesse de la croisière par rapport à Yakochangé Makamunamboka. Vous savez là quoi? Makasi. Mais le pays est laïque, non? N'attendez pas, le pays n'est pas chrétien. Le pays n'a pas d'état d'âme. Pandezo, tu vois. Kosambe le outu apina kati makamboka pour Yamboka. Pourquoi tu as pandezo? Mais oui! Quand Dieu dit aux enfants d'Israël, bah ennemi na bino wana na ko livrer bino bango boroboma. Na mon Carmel Eli a kati batumitu. Oui, a kati batumitu. Ndema kamozo be mahao. Et d'aki ma kati na kati batumitu na prenda mbete. Les traîtres, qu'est-ce qu'on a fait? Et ça depuis la Bible à baboma bat. Donc coupe les têtes. Et Rosa la première fois, il faut couper les têtes. Mujantu. Oui. Zambi, Zambi. Kaka Zambi wani. Eh, hey, la sambre la sili baël. On doit couper les têtes. Ouais, ouais, on doit couper les têtes des traîtres. On doit les immoler. C'est les papas. Ouais, ouais, on doit les immoler. En public. Ah, on tombe qui mourit, papa. Non, ça, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop, hein. Ah, en tout cas. Est-ce que vous ressentez la douleur? Il y a Kanda au CD Kaotiko dégagé. Bon, bah très très bon qui pour quand même congolais comme un degré moussous bah très très bon qui quand même congolais et comme un degré moussous. Ok, formation du gouvernement, ça nous intéresse beaucoup puisque là c'est depuis 1960 tout coup première ministre était. Maman. Ah, une première. Le président a nommé une dame. Formation, peut-être dans deux ou trois jours. Gouvernement à Koutou Kobim. Ozo Zelanin. Bon. Yo Monde, ni topé ses chances. Ceux qui n'avaient pas topé ses chances. Bon, total est gaga à l'œuvre. Je ne sais pas si tu as un plateau, mais tu as fait chance. Non, tu as fait chance. Si tu as fait la chance, tu as fait l'œuvre. Chance, c'est ça, Nina Makambo. C'est la compétence qui va parler. Et comme il devait loterie. Et comme il winner, tu paris foot. Ça veut dire que tu as gagné M23 na chance. Non. On est en train de parler de quoi il s'agit de la gestion de la Rose Publica. Facteur chance na katiwana ezate. En plus de ça, n'oublions pas que dans la vie, il n'existe ni bonne chance ni malchance. Il n'existe que bonne décision et mauvaise décision. La conséquence de la bonne décision, c'est ce qu'on appelle bonne chance. La conséquence de la mauvaise décision, c'est la malchance. Maman, première ministre, félicitations pour la nomination na yo. Chance ezate. Tous ope sa chance te. Tous ope sa malchance te. Tout en a besoin de compétences. Là où il y a la compétence s'impose. Quand tu connais, tu connais. Quand tu ne connais pas, le résultat positif suit. Papa, ce qui va y linga ba question awa. Il y a flamand. Ata ba yebisinga bonne chance. Na ko na kosani. O katana. Na yebian goté. Chance e kosani ni. Osomona. Donc, soko yebi, oui, yebi. Oui. Maman, soko yebi, oui. Yebi. Mais tu connais Mini Toyo, biso to pe sur chance, mais tu fongole lion de motema. Le kola to so soutenir émergence yamboka na biso. Le kola to ndime la kamokonzi yamboka na volonté politique na ye. En conséquence, to sa obligé, to sa la yon de confiance. Na lingi to met ma solo ya confiance, na ya compétence, et non ya chance. Mais tu connais Mini Toyo, problème ezaki, mokonzi yamboka poni yo. Sur base de la confiance, oh yaza na pas na ye, na ba motivation, oh ye a yebi. Yo vu confiance na ye, bravo. Mais abiso pe faut mériter. La confiance ne se demande pas. Stéphane, ça la confiance, nandeni.
Stéphane Fafan Dalobake, c'est monsieur mérite ma confiance. Ouais. Au regard de ça, 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 il mérite. Ouais, ouais, non, ouais, c'est la confiance, Nid. Bien sûr. Attends, Libala. Oh, chérie, je t'aime. Bateau, Bazara, chérie, je t'aime. Ndoko mona boye. Téléphone, naïza le quoi, Ndunganganga. Soki moi, c'est Tali, Maya Miswebi Makak. Arroz, Oliboma. Mais chérie, je t'aime, mais ça, Tala Moulaï. Awa. Le vrai amour, c'est vie mieux qu'il ne se raconte. On n'a même pas besoin d'en parler. Moi, si moi, Fandi Abi, Mobal Nangalinganga. Même à ton absence, il dit à ses amis, il m'aime. On peut venir te diaboliser à son absence, il dira, arrêtez, vous mentez. Mon mari m'aime. Il en est de même pour le mari, pour sa femme. Par rapport au mari, pour sa femme. Nous n'avons que à vous faire confiance sur base de ce que vous, vous allez faire. Ça veut dire que vous devez mériter notre confiance. Pour que vous méritiez notre confiance, ça va de ce que vous, vous allez faire. Osa Premier Ministre, Mbalaya Yambo, toujours moi si na poste wana. Liboso na yo na poste yana moutou azala te, mais koubo sanate ke liboso na yo na ba fonction msou souba si bazala. Na banque centrale moi si azali. Yo moko tala, to ekomi na combien. Avant yo, to zala ki na basi moussou na gouvernement, productivité na bango, ezo remettre déjà confiance au toko sa yona, en doute. Ezo remettre en go en doute. Yo to kobeta masolo na ote puisque le ko la déjà chef de l'état sali yo confiance, toujours lingate ko kota na masolo ya kobeta sur ce que vous avez été en tant que ministre des plans. Or nous savons très bien aussi les rôles du ministère des plans. Nous le savons très bien. Tu habité confiance, d'accord, Mokonziamboka salio yango, mais sengeli yo o renvoyé ascenseur na Mokonziamboka puisque peuple azota la mingi yote. Peuple azota la nde Mokonziamboka sama le compte des prédécesseurs na yo akei mutwa tunye bilan azate. Ilunkamba akenda mutwa tunaye bilan azate. Yo pe okokende mutwa kotuna yo bilan azate. Donc Moussala na yo, il faut d'abord o renvoyer ascenseur maman nangai na moutoua sali yo confiance. Biso, ça sera juste la conséquence. C'est ça le quoi bana nandako. Papa nde a balaki maman. Biso te kose pelana maman sur base ya misala na ye nandako. Nde a mouko sala ke te pelana maman et papa a joué le koum ya choix oye a salaki. Ba défi oye biyango maman nangai. Les défis sont connus. D'ailleurs, yo moko reprendre trois. Na kati ya 3 oyo pour na yo eza prioritaire, nous avons effectivement de voir que au sali bonne sélection, il y a ba problème, il y a ba congolais. Mais ça ne suffit pas. Les 3 nan sali. Les 3 wana lobby sécurité, il y a lobby social, puis il y a lobby contrôle, il y a inflation notamment dépréciation monétaire. C'est très bien, c'est une bonne chose. Oui. Mais ça ne suffit pas parce que les ambitions sont bonnes. On a toujours les ambitions, même les fous a une ambition. Au moins appelons Talibo Mabi à ses plans à Mercedes ou mais il peut pas en avoir. C'est une ambition. Mais qu'est-ce que vous faites d'une ambition, maman? Les ambitions sont comme les ailes, au volé. Mais exécution n'a pas makolo. Après vol, faut quitter ma bâtiment, quitter ma papa pour soutenir ma colo. Qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre les objectifs que vous-même publiquement vous vous assignez? N'oubliez pas que le chef de l'État s'en est attribué aussi 6. On a 4 nango au dérivé, normalement 3 puisque c'est vous qui tenez le programme gouvernemental. Pour que vous atteigniez cela, maman, vous devez savoir que autour de vous, vous devez avoir des hommes et des femmes capables qui ont la vision. J'ai peur. Ma crainte, c'est que le départ est déjà dangereux puisqu'autour de vous, on peut puiser kakana même marmite. Marmite, toi, et Mimi, bah, échec. Kobanda Kabila, puisque Kabila c'est peut-être dans la bango, communion sacrée. C'est la même marmite qui vous est aussi proposée. Donc, y'a pas au tirer qu'à Nakatuana. Au Rossel, la bisopé gouvernement, y'a pas président, y'a pas parti politique. Au Rossel, la bisopé gouvernement, y'a pas autorité morale. Au Rossel, la bisopé gouvernement, y'a habité à Banani. Y'a pas député national, en même temps. Gouvernement, y'a pas député nationaux. En même temps, ministre. Et ça m'a bêté, bah ça m'a congolais. Mais tout ça, plus n'a besoin, c'est la bisopé gouvernement, y'a pas compétent. Tout ce monde, n'a pas sélection, n'a pas casting et l'équipe. Et bien, d'ailleurs, ça, on a sur base de tout, sauf de la compétence. On mettait tous les critères, bah, les manions sont ensemble, mais on a enlevé la compétence. Et les résultats sont là. Nous avons maintenant besoin d'abord du critère de la compétence. Maman, si vous y mettez la compétence, vous êtes bien parti. Non seulement pour écrire l'histoire de la femme à la primature, mais pour projeter l'avenir de la femme. Peut-être demain, on pourra avoir une présidente de la République. Aujourd'hui, vous êtes première ministre. Mais vous pouvez devenir président de la République. Ça peut être vous qui deviendrez la successeuse du chef de l'État à travers le travail que vous allez faire. Mais ce qu'on continue, déjà, chef de l'État, n'a ébiqué, a salué confiance, mais il y a une politique, il y a une technicienne. Mais autour de vous, ce qu'on tiki technique, ok, il n'y a pas politique, puisque Bangonde Bazingi, il y a la malamo, mais la classe politique, il y a une opposée. Comment ça n'a été?
talambo kao toza eza na ba aspiration ebele mais ozo mona ke toza na deux problèmes population d'azo se préoccupe mingi na développement mais ba dirigeant ba se préoccupe en développement te. Donc le développement est une affaire de la population la jouissance les intérêts eza pe affaire ya ba politiciens pourquoi gouvernement et salami ba tieli ba ministre ba salaire minene minene ba sombeli bango na ba jeep tango gouvernement wana eleki ba jeep wana ba kenango l'état bimisi mbongo mususu nenge ba kobimisawa pona kosombela ba ministre ba koya et pourtant ce qui ba jeep wana ba ministre wana etikali l'état a récupéré yango a organisé vente publique ba teki l'état constitué déjà une bonne partie ya mbongo oyo ba ko compléter pona kosombela o wana. Et puis nous avons, ça veut dire que ce sont les biens de l'État. Mais non, au-delà du fait que ce sont eux qui consomment la plus grande part du budget par le fait du fonctionnement des institutions, bazo bakisi la bango d'autres avantages. On dirait qu'en débible loba, à celui qui a, on ajoute, à celui qu'on n'a pas, on retranche. Ah ben, tu viens de parler et de la à le cardinal Ambongo. Oh, le quoi là. Tu viens parler le même langage avec Ambongo. Non, non. Bravo, mais bravo les... quand attendez. Même. Tu viens de rejoindre Ambongo. Le cardinal Ambongo n'est pas un fou. Quand il parle bien, d'accord. Quand il dérape, on le recadre. S'il dit quelque chose qui est bon, pourquoi on ne va pas se faire. Ndeko Stéphane Tamambo et Samalelo. Bien sûr. Guerre est en Est, Balakis Misso. Il y a la guerre à l'Est. Il faut des sacrifices. Bien sûr. Mais il faut des sacrifices. Pourquoi seulement c'est la population qui doit faire des sacrifices? Tout une élection législative. Le mandat tout à élection. Va convoquer session. Inaugural, na Assemblée nationale. Bah convoquer session inaugurale parce que tu peux comprendre formation, nomination premier ministre, et eu retard par l'effet à régime politique, faut nommer un formateur, à dégager majorité machin, ça nous prend tout le temps. Mais au Parlement, on arrive, on convoque, on a convoqué, on doit mettre en place une commission, il y a contrôle, il y a bah dossier, il y a bah député. Mais ce que la CENI avait fait, c'était quoi? Bah dossier, c'est qui contrôlé na CENI? Il faut ça commission sous à contrôle l'ango, ça nous prend du temps. On a déjà démarré pour cette session et bandi ba au foot à bango. Ba longo on a validation des mandats. Quelle différence devons-nous faire entre la validation des mandats dans l'Assemblée nationale na confirmation ba résultat à cour ya CENI par la cour constitutionnelle. Quand la cour confirme wana et ba valider un mandat. Il faut bien qu'on valide sous le parlement. Ça nous prend du temps dans tout ça. On doit mettre en place une commission ce qui va ça rendre nini pour na rédaction, il y a règlement intérieur. Le même pays, depuis que la constitution est en vigueur avec les mêmes problèmes, c'est la même constitution. Mais pourquoi, bango, chaque législature, il faut un nouveau règlement intérieur? Naka, tu en as besoin de avantage, bango, il faut bandalelo, ba assister à député, bako ma deux, ça veut dire on ajoute à la République des charges, nous se sommes tournés dans avantage, bango. Mais na est guerre, ça sacrifice, et le peuple. Bango, ça sa sacrifice mon côté. Ça nous prend du temps. Le temps basse, c'est un règlement intérieur na bango. Est-ce qu'il y a une cour constitutionnelle? Et zongé la bango, ça nous prend du temps. De vous, Stéphane Zolanda. Très bien. Na sima ya ma camion, ce temps, au consommer bisouana. Wana ba sali, ils sont en train de prendre le travail. Il faut appeler ça bango frais d'installation. On installe les députés sur base de quoi? Na frais d'installation, na et ça, ce qui autant de mois, y a ba émoluments na bango. Baroka tabango ya ngote eza en fait ba émolument supplémentaire. C'est le peuple qui doit toujours faire les sacrifices. Et les ministres et les députés, personne n'a les sacrifices à faire. Les sacrifices de la guerre à l'Est incombent à la population. On est où? On est où? Donc l'aspiration au développement concerne la population, mais ça ne concerne pas les politiciens. Tout ça, nous demandons au chef de l'État. Nous demandons à la première ministre. Dans la mesure de possible, pour autant que le combat qui les a portés là s'appelle le combat du changement. Surtout que c'est lui qui a le devoir de redevabilité, c'est lui qui devra rendre compte au peuple, c'est le président de la République. Si vraiment, il peut essayer d'apporter beaucoup de changements dans tous ces systèmes. Et ça, système Moko est commis obstacle au développement. Et commis pour empêcher l'épanouissement de la population, parce que à Tababeleli Lelo, qui est commis un budget à 50 milliards, tout ça qui est à 6 milliards. Tout comme il y a 16 milliards, accroissement il y a 10 milliards. Population ressentir en anime. Tant baloba. Non, baba qui c'est libre fonctionnaire, 30 000 francs, 30 papa. Ngaï, bande kofu tangaï, 160 000 francs na toi à 10. Non, 160 dollars. Bah, comment foutanga 400 000 francs na toi à 28, non, 140 dollars. Na perdre pouvoir d'achat nangaï, au lebo ça il a ajustement conformément au taux, bon, bah, c'est 30 000 francs. Ça veut dire quoi? Mais tant que vous avez un ajustement dans le député, ce sont les ajustements qui se rapportent au taux.
on est alors dans un pays où il y a des Congolais spéciaux et des Congolais inutiles, c'est ça. Et quand on est revêtu des immunités parlementaires, ou bien on est ministre, on est sénateur, on est je ne sais qui, on est Congolais spécial. C'est une injustice que la Constitution n'a pas concédée, puisque la Constitution nous dit tous les Congolais, nous sommes égaux face à la loi. Mais comment est-ce qu'il y a cette disparité sociale? Nous demandons aux garants du bon fonctionnement des institutions de prendre les bâtons du pèlerin et effectivement de ramener l'ordre. Waouh, waouh. Tout ça, c'est là. Tout à la nègre, Gozala. Tout à la nègre, Gozala. Entre temps, on a un peu de moins l'eau, quoi. C'est un local qui a un moins mingi. Et la paix, ça vient de moi, l'eau, quoi. Waouh. Bon. Pas toi, mais tout, mais. Le président, tu sais qu'il dit, a boycotté à un rendez-vous du monde. C'est quoi le rendez-vous du monde? Bamoni, dimanche le 7, la niveau, il y a. Rwanda, bazo commémoré 30e anniversaire il y a génocide rwandais. Mais le président Tshisekedi n'était pas présent à Bouygues-Kinde, à Kenaya Makamususu. Bamoni, ce président, il y a Kalaya, il y a Américain. Bill Clinton était là. Bill Clinton, et puis il y a Makamususu, il y a Sadek et consort, mais le président a boycotté. C'est normal que le président des États-Unis et tout le reste partent sur toutes ces puissances occidentales parce qu'ils avaient allié Nabango, ils avaient allié à Rwanda. Le Rwanda est en train de commémorer génocide Nabango Kuna. Mais en même temps, le même Rwanda est en train de créer des génocides chez nous. Donc ça veut dire que toi, tu crées des génocides chez moi. Moi, je dois venir commémorer tes génocides chez toi. C'est quelle inconscience? C'est quelle inconscience? Et c'était évident. Le contraire aurait été décevant de la part du chef de l'État. Heureusement qu'il ne s'y était pas rendu, malgré les langages belliqueux de certaines personnes qui veulent exister, en suyant la crédibilité des autres. Nous avons un chef de l'État qui est très consciencieux, qui écoute la douleur au Yobazo, Bazo faire subir population naïe. Et il a très bien agi en père des familles. Ça ne valait absolument pas la peine. Je ne sais pas d'ailleurs, moi, je me pose toujours la question. C'est bien. Nabandé Koulanda lobi discours, il y a Mobutu. Na tribune, il y a Nations Unies. Tant qu'on a présenté tableau, il y a Oyoye à considérer qu'il y a injustice entre Israël et Palestine. Au regard, il y a choix Oyo Zahir. Il fallait qu'il y ait ça là entre frères Égypte et amis Israël. Il a tiré les conséquences, il a dit. Je déclare du haut de la tribune des Nations Unies la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Voilà, c'était une très bonne décision prise par Mobutu. Et je me pose aujourd'hui la question, au regard de ce que nous font subir les Rwandais et ses alliés, ou même encore de ce que nous fait subir le Rwanda puisqu'il est en tête, pourquoi on ne met pas fin, on ne rompt pas les relations diplomatiques? Pourquoi cette largesse? Ce serait au moins un grand signal. On peut dire qu'on va faire la guerre, tout ça c'est bien, mais la chose la plus simple en face. Nous allons faire la guerre, ça demande une procédure, une longue peut-être. Mais la rupture des relations, ça, je ne pense pas que ça soit une aussi longue procédure. Joseph Kabila avait pris la décision courageuse, bien que Yaye Zalaki motivé par le fait que Akomaki, prise en sandwich à cause de la repression dans le régime Naye, Tchelakiye sanction. Mais il a quand même pris le courage à rompre les relations diplomatiques dans l'Union européenne. En plus, Union européenne. Mais pourquoi c'est difficile aujourd'hui de déclarer la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda? Vous voyez, c'est bien par le chef de l'État, l'effet de ne pas partir, mais je crois que mieux serait d'avancer un peu plus, carrément déclarer la fin de nos relations diplomatiques et voir prochainement ce qu'on pourra encore faire pour mettre fin à leurs velléités expansionnistes. Ok. Très important. Tout coup, Baka Kamalem, pour te faire une photo ça. Là. J'espère que Bozola Nabis soit bien. Merci. Bon, qu'est-ce qui ne marche pas ces derniers temps? Ce qui ne marche pas ces derniers temps, ils ont une conscience ou ils ont caractérisé par. En fait, comment je peux dire ça? Batoyo, basu responsabilité à co-représenter population, bas députés provinciaux, trop tester maturité à bas députés nationaux.
et puis bah représentant bah dirigeant bah parti politique Ndekonangai Stéphane Mboula et Betty na Kinshasa, il y a des morts, ok, les gens sont morts, il y a des endroits où il est impraticable. Mais pourquoi nous allons continuer à parler de cette histoire après autant d'années? Au mois de juin, le 30 juin, ça fera 64 ans d'indépendance. Mais au fait, bah fête d'indépendance, c'est comme quoi on va fête, il y a Sony. Moi, je suis 64 ans, à zo, comme, à dans 6 ans, je suis à la troisième âge. Au fait, la RDC, après 6 ans, tu es à la... Donc, au fait, en 2030, tu es à la troisième âge. 70 ans, tu es à la coco. En termes d'indépendance. Mais regardez un peu. Hein? Je ne sais pas comprendre. Nous parlons encore du problème des érosions. Talanenge Bazouwele là-bas, responsabilité. Candidat gouverneur, il y a Songolo. Candidat gouverneur, il y a Pakala. Candidat gouverneur, Bakumba, candidat gouverneur, il y a un individu. Il y a autorité morale. Il y a un président de parti politique. Il y a un parti politique, ainsi de suite. Mais pour Nani Nitoro, j'ai courage. Il oui. Y a Konobake. Union sacrée est échouée à Kinshasa. L'union sacrée a échoué à Kinshasa puisque le gouverneur de Kinshasa, Gentil Ngobila, est de l'union sacrée et il a lamentablement échoué. Un gouverneur qui a fait la honte de l'union sacrée. Et on ne sait même plus faire la relation entre l'union sacrée et le chef de l'État si on ne se réfère qu'à ce qu'a fait Ngobila à Kinshasa. Mais on dirait qu'on ne fait pas tirer les conséquences tout de suite. Il y a un problème, on dirait qu'il y a une conscience collective, en commençant par la population. Puisque celui qui a détruit là, a un parti politique. Vous trouverez les Congolais, les Kinois, Nakat Nabarona, on va perdre Bandeko, on va perdre Bandaku. À la suite, il y a des organisations à ville, les membres du parti Nabango, Babet Labomabou. Et ils ont juste créé ce parti-là pour se maintenir. Maintenant qu'on est en train de parler des désignations des candidats, ils sont désignés sur base d'un certain clientélisme. Parce qu'à témoigner loyauté na chef naye, bah présenter un candidat, il sera là avec devoir de redevabilité à l'égard de celui qui l'a mis là-bas et non à l'égard du peuple qui est représenté par les députés provinciaux. Où est l'aspiration au développement? Et ils ont l'aspiration na ba intérêt na bango, na bozui na bango, na quoi assurer barrière ya bana na bango. Le peuple a l'aspiration au développement tout en étant orphelin puisqu'il est seul à aspirer à ce développement. Le chef de l'État qui aspire à ce développement, il manque des bras puisque le chef de l'État, même la loi, est soit astreint à la limite. Le chef de l'État ne va pas démettre un gouverneur. Le chef de l'État vient de nommer la première ministre, il ne pourra pas la démettre. Mais est-ce que nous pouvons aider les chefs de l'État normalement à avoir le plein pouvoir? Ville de Kinshasa saturée. Ville de Kinshasa bah érosion. Bon, présenter du soba candidat. Bon, j'ai courage d'abord, il y a qu'on dit ma queue. Tu échoué à ce niveau. Et puis, tu étudier ce qui n'a pas marché. Tu proposer plan y a sika y a gestion urbaine. Plan y a étalement urbain. Tu as dans ma vie, dans ma espace est belé de partout. La notion de portée limite. Vous voyez que la route, l'infrastructure crée l'agglomération. Mais depuis que Mobutu a Kenda, on même pas Mobutu, depuis que Mindele ba Kenda, espace kaka ba aménagea kawana, nde Mobutu a co-dirigé, nde Moussa a co-dirigé, nde Joseph Kabila a co-dirigé, nde Tshisekedi a dirigé les lots. Personne ne peut faire comme Oufouette Boigny, ou la créa qui ville ya Yamoussoukro. Non, on se concentre juste dans l'espace aménagé. Tshisekedi a une vision lobby, 145 territoires comme programme. Ça veut dire que lui, au moins, il veut relier les Congos. Alingi que ma chef Lyonion soit tout ana et de telle sorte que Masango ou a produit na fin fond na milieu rural ou ana, tala tu ko le fait à séparation ana. Et aux ana, ici comme sous carence, ezali, ici comme sous bilo que zo pola. Moyen écoute ana ezate, pas moyen de créer les débouchés puisque infrastructure ezate. Aye na programme y a développement 145 territoires qui vont assumer la responsabilité de la gestion de ces programmes. Au regard du fait que coordination ezali, un ministère à plan, primature, ainsi de suite. Mais, ba gouverneur, ba ngonde baza, ba gestionnaire, y'a ba espace et pas y'a bazali, notamment au regard y'a loi à décentralisation. Maintenant, quand vous êtes en train de choisir des gouverneurs qui ressemblent à vos goûts par rapport à vos intérêts et non qui ressemblent à l'aspiration du peuple qui se conforme à la vision du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas tirer les conséquences de cette situation, de ce qui se passe aujourd'hui dans les partis politiques? Bah, on sait que bon, bah, l'histoire, on était sur la Batsengi Koutou.
composition à gouvernement, dans ma parti politique, il y a des compétences. En dehors des partis politiques, il y a des compétences. Mais au moins, on a autorité morale. Le président de la parti politique, on a une liste. Il y a Zana Kati, Aluki, Neveu, Ton Muninga Naye, Muninga Naye Moussousou, Atché. Bato, il y a Yébi qui n'a pas géré Bango quoi qu'il arrive. Et ça, on ne tient compte d'aucune compétence. Donc, on va proposer à madame des gens qui n'auront aucune compétence, mais qui seront redevables vis-à-vis de ceux qui vont les proposer. Avec ça, vous voulez qu'on s'attende à quoi? Vous voulez quel développement? J'ai toujours dit, ces autorités morales, ces présidents des partis politiques, ces leaders politiques vont s'en aller. Mais le chef de l'État va rendre compte. Est-ce que le chef de l'État ne peut-il pas trouver des mécanismes à trouver les vrais, ceux qui rentrent dans les cadres, ceux qui comprennent sa vision, ceux qui peuvent interpréter correctement sa vision en termes d'exécution. Encore que, c'est le second mandat. Le second, ça veut dire le dernier, puisque un mandat, une fois renouvelable. Nous savons, aujourd'hui, nous avons le souci de la conservation de ce mandat, de la conservation de ce régime, de ce pouvoir. Mais on va le conserver sur base de ce que nous aurons fait. J'ai interpellé la première ministre par rapport à ça. C'est elle sur elle aujourd'hui repose, n'est-ce pas, la responsabilité et la charge de la conservation du pouvoir. Encore faut-il que le chef de l'État a aidé Maman Toulouka à travailler en synergie, à la équipe moko coopérative et puis à la équipe moko solide avec des gens qui sont compétents, des gens qui vont effectivement accompagner leur vision, leur programme, leurs aspirations au bien et au grand bonheur du peuple congolais. Très bien. Merci de ce qu'il y a. DG Stéphane, Balamwangé, Congo ya Lumumba, Congo, Lafati Beton, Tangwe Koki, yo yo, Tangwango yango yo, Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, oh yeah, yeah.